Voilà. Donc j'ai reçu une lettre de mission pour, de la part de la DGOS et de la DGS pour participer à la réflexion du Haut Conseil de la Santé publique, c'est pour ça que je fais partie de ce groupe, en apportant une expérience dont on m'a demandé de regarder l'évaluation, c'est pas un bon mot parce que c'est pas une évaluation, de regarder ce qui se passe en Aquitaine, parce qu'il y avait une certaine originalité dans la mesure où l'ARS avait lancé des appels à projets hors les murs. Et donc, ce que je vais vous dire, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a derrière, on va le découvrir ensemble, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des éléments qui sont un peu préliminaires, dans la mesure où j'ai commencé en septembre et je devais vite donner les premières conclusions en décembre, pour toujours la même raison, que malgré l'aide de Benoît qui m'avait affecté un interne de santé publique adorable, j'étais un peu seul, et que il faut bien séparer ce qui m'a été demandé au niveau du ministère, qui était dans ce qui se fait en Aquitaine, qu'est-ce qui pourrait être proposé sur un plan national, qu'est-ce qui est crédible et faisable sur un plan national. Alors que ce que espère avoir Michel Lafourcade et qu'il aura, mais un peu plus tard, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer en Nouvelle-Aquitaine à partir de cette expérience, de prolonger, pas de prolonger, de faire ou quoi. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette différence. Donc il y a eu des appels d'offres de l'ARS en 2014, 2015, 2016. Je fais une remarque aussi, mon travail a porté sur l'Aquitaine, l'ex-Aquitaine, pas sur la Nouvelle-Aquitaine. Des objectifs ont été définis, un contexte local s'y prêtait. Il faut voir que là, je ne peux pas vous le présenter, j'espère que ça n'est pas derrière, mais enfin, toute la préparation de l'appel à projet, toute la préparation de la sélection et toute la préparation de tout ça, c'était un travail qui m'a, je ne le dis pas parce qu'ils sont là, mais enfin, assez époustouflé. On aurait dit qu'on était en train de recruter des projets de recherche à l'INSERM à un haut niveau, parce que c'était vraiment très très bien organisé, très sélectif. Et moi, je me suis baladé dans tous ces endroits, ce qui m'a fait tout à fait découvrir la région que je ne connaissais pas. Et tous les endroits que vous voyez entourés, je ne vais pas vous les citer, mais enfin, oui, ici, quand même un peu, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne. Alors, Bayonne, c'est intéressant parce que je n'en parlerai pas, mais il y a un département de santé publique qui se met en place qui, d'une certaine manière, ressemble de manière moins canadienne, mais un peu à ce qui se fait à Poitiers et qui risque d'être un très, très beau projet, sans doute refait dans d'autres structures. Donc, Mont-de-Marsan, Oloron, tout. Enfin, j'ai vu tout le monde. Sauf Bergonnier, qui ne m'a pas reçu. Il n'a pas reçu mon mail, mais je me suis adressé au directeur. Hein. Tous les autres, j'ai été reçu toujours très bien. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai été, alors j'aurai l'occasion de le dire sans doute, mais époustouflé par la qualité des hôpitaux généraux que je ne connaissais pas. Je connais toujours, moi, étant habitué à l'hôpital CHU, qui roule un peu les mécaniques, je me suis dit, peut-être dans les hôpitaux généraux, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce sont des gens très motivés, très intéressant, plein d'idées, et j'étais très favorablement surpris. Donc, en faisant ce tour, voilà ce que j'ai pu constater. Les thèmes qui ont été développés, ce sont ceux-là. Plus ou moins bien, hein, on va le voir. Addiction, nutrition, vieillissement, environnement, santé mentale, sexualité, vaccination et autres. Dans autres, il y a santé bucco-dentaire, périnatalité, cancer. Cancer, c'est juste autre. Ce qui peut faire poser des questions aux gens qui pensent à juste titre que le dépistage est quelque chose d'important. Alors, sur l'addiction, par exemple, il y a eu 12 projets avec 7 établissements différents. Je ne vais pas vous lister lesquels. Hein. Et sur l'addiction, ça portait presque essentiellement et presque toujours sur le tabac. C'était surtout de la formation conseil. Vous avez vu dans le topo qui a été présenté précédemment que la formation rentre dans ce qu'on appelle la prévention de la santé. 3 projets faisaient appel à des consultations spécialisées. Il y avait des originalités. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des efforts pour aller dans le cadre de santé et travail. Il y avait un bus prévention, je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais qui m'a beaucoup impressionné, c'est La Petite. C'est où ? À Blaye ? Ah oui, je ne me rappelais plus, c'est ça, c'est Blaye. Ouais. Ciné-débat, financement pour 2015, je l'ai marqué là comme ça pour avoir une idée, c'était 233 000 euros. Sur la nutrition, 12 projets, 9 établissements. 5 concernaient l'alimentation proprement dit, 4 étaient associés avec une promotion de l'activité physique sur laquelle je reviendrai. Je vais vite là-dessus parce que ça n'a pas un intérêt majeur, parce que je vous donnerai plutôt mes conclusions à la fin, qui sont plus intéressantes que cette description. Il y a eu un travail très intéressant, là encore je ne me rappelle plus tout de suite où, sur la promotion de l'allaitement.
Il y a eu des choses qui ont été faites sur les marchés, un peu de partout, et avec un financement à l'époque de 2015, de 220 000 euros. Sur le vieillissement, 6 projets, 6 établissements, 5 thèmes. Les chutes, autonomie, c'est surtout des personnels paramédicaux qui étaient impliqués. Beaucoup d'informations, d'éducation, formation, à Bergerac, à Minibus. Et c'est là où, sur ce domaine, j'ai été le plus impressionné. Un financement en 2015 de 355 000 euros. Sur l'environnement, 2 projets. Un atelier nesting sur lequel je pourrais revenir si vous voulez, parce que ça m'a posé des questions. Mais ça a l'air intéressant, mais en même temps, ça m'a posé des questions. Parce que je me demande s'il n'y a pas des possibles complications et des conflits d'intérêts possibles avec des structures qui fournissent dans les hôpitaux. Ça m'a posé des questions, mais peut-être j'ai eu tort de me les poser. Sur la santé mentale, 2 projets. Et puis, sexualité, 3 projets. Je vais vite, hein, parce qu'on est fatigué. Vaccination, peu de projets, seulement 3. Assez décevant. Pas les projets, le fait qu'il n'y en ait que 3. Hein. Et d'autres thématiques. Bon, voilà. Le budget, voilà ce que j'ai pu obtenir de l'ARS. Hein. Budget sur la totalité, c'est 4 millions 100. Qu'est-ce que tu veux ? C'était bénévole, hein, je te signale, au cas où tu... Tout a été bénévole, ils ont accepté de me rembourser l'essence de ma bagnole. Ne parlons pas des repas que... Enfin, moi, je me suis un peu régalé à faire le tour, mais j'étais un peu fatigué quand même. Tout était bénévole, mais il y a eu quand même 4 133 310 euros mis dans ces projets. Ne me dis pas... Ah, voilà. Première réflexion, c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Ma première réflexion, souvent, c'est de la palissade. C'est qu'on ne peut pas imaginer des hôpitaux faire du hors-les-murs s'ils ne font pas du hors-les-murs. C'est inimaginable. Or, j'ai vu, je ne citerai personne, mais je n'ai plus en tête, quelques projets hors les murs qui étaient pas mal, mais alors qu'en les murs, ils ne le faisaient pas. Ce qui est inadmissible. Donc, ça, c'est ma première idée. Deuxièmement, il faut être sûr que quand l'hôpital fait du hors les murs, il y a une certaine spécificité, une raison de le faire. Ce n'est pas pour faire plaisir ou pour avoir un argent de l'appel d'offres. Hein. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il faut qu'il y ait une certaine spécificité. Il faut que ça soit fait non pas en concurrence, avec des structures qui sont financées par le même financeur, c'est-à-dire l'ARS, pour faire la même chose. Ce qui est quand même tout à fait contradictoire. Quand vous avez des associations, je ne citerai personne, qui font des efforts dans tel ou tel endroit et que l'hôpital arrive dans tel ou tel endroit pour faire à peu près la même chose, non pas en association mais en concurrence, ça n'a pas de sens. Ça soulève une question qu'on n'est pas obligé de poser ici, mais que vous savez qu'on va se poser tous les deux, que j'ai déjà posé à l'ARS, et est-ce qu'on peut coordonner tout ça dans cette histoire ? Et puis le lien avec l'extérieur, mais c'est ce que je viens de dire, hein. Il est important qu'il existe, et j'y reviendrai pour vous dire comment j'imagine qu'un jour il pourrait exister statutairement. Vous voyez où je veux en venir. D'accord ? Alors les forces, quelles forces j'ai vues ? D'abord, l'idée de ce lancement était une excellente idée. Ce n'est pas parce que c'est Michel Lafourcade qui l'a lancé que je dis ça, c'est vraiment très bien. Ça a lancé une réflexion, une volonté de faire des trucs, de mobiliser, c'est un foisonnement d'idées. Ça a mobilisé beaucoup de monde. Il y a eu des postes d'animateurs. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, mais c'est indispensable. Et ça a été donné par l'ARS. Et ça a été un élément de succès remarquable. Ce sont des gens sensationnels. Et il y a eu beaucoup de choses en termes de proximité territoriale qui font la force de ça et qui, en même temps, empêchent de le généraliser. Quand vous avez dans tel ou tel hôpital des gens qui m'expliquent qu'ils ont fait des formations dans les lycées agricoles, c'est très bien si vraiment ça n'est pas en compétition avec les REPS ou quoi. Mais je ne vais pas demander à la ministre de la Santé de généraliser l'idée que les hôpitaux doivent faire de la formation dans les lycées agricoles français quand même. Je vous répète que moi, ce que j'ai essayé de faire en 2 mois pour l'instant, c'était de donner dans le cadre du HASP quelles sont, parmi tout ce que j'ai vu, les choses qui pourraient être mises à l'échelle nationale. Hein ? Les faiblesses, on les connaît presque d'office. Peu d'indicateurs. Pas seulement des indicateurs d'évaluation d'impact, parce que ça, c'est très prétentieux. On sait que l'impact de toute action de prévention, c'est un impact à long terme et que c'est très difficile à évaluer. Mais même des indicateurs d'activité. Combien vous avez vu de gens, qu'est-ce que vous avez comme impression, etc. Il y en a peu. Ce n'est pas nécessairement de leur faute, parce que là, on sent un manque de culture de santé publique qui existe de partout. Hein. Et puis, quelquefois, un manque de moyens. Parce que ces indicateurs qui doivent être mis en place, ça rejoint un peu ce que disait François, il faut qu'il y ait des spécialistes, ou à la question que posait Morla, il faut qu'il y ait des spécialistes aussi pour faire ça.
Et il y a très peu d'indicateurs. C'est-à-dire, très souvent, j'ai vu des gens enthousiastes qui faisaient des choses et que j'en ai dit, mais combien vous avez vu de gens, combien vous avez fait de choses? Ah, ben beaucoup. Peu d'indicateurs. Et peu d'évaluation au niveau de l'ARS, qui n'a pas encore eu le temps, mais à ce qu'aura à faire l'ARS sans doute, parce que c'est de l'argent public, ça, hein, quand même, c'est de faire une évaluation de l'impact de ça par rapport à l'argent qu'ils ont dépensé. Et cette évaluation doit être faite. Et pas par l'ARS, qui ne peut pas être jugé parti. Vous voyez arriver Cassiopée. Hein. Les médecins sont peu concernés. Alors, je suis désolé de le dire, c'est dommage que Philippe Morland n'est pas là, ne soit pas là. Finalement, tous les projets que j'ai vus, ils sont pleins d'enthousiasme ou quoi, c'est surtout les infirmières, les paramédicaux, très peu de médecins. Ce n'est pas qu'ils sont contre, mais très peu. Et une des raisons, et là ça rejoint la question que Christophe Serrieux a posée, c'est que surtout dans les hôpitaux généraux, peut-être aussi, M. Vigroux, dans les hôpitaux CHU, mais enfin, ils sont débordés, mais débordés de déborder. C'est-à-dire faire hors les murs, c'est très compliqué pour eux. Hein. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ils auraient tous été intéressés. Il y en a quelques-uns qui ont été intéressés. Et évidemment, le gros problème, et c'est le problème des appels à projets, c'est la pérennisation. Ils sont tous très inquiets de savoir est-ce que ça sera pérennisé ou pas. Première recommandation qu'on peut faire, et cette fois-ci, si vous voulez, je me mets presque au niveau du HESP qui le recommanderait au ministère. Ce n'est pas de recommandation pour l'ARS, hein, on est bien d'accord. Il faut absolument ne pas oublier qu'on ne fera rien s'il n'y a pas d'animateur, que ce soit un interne dans un hôpital ou surtout si on veut faire de l'extra. Il faut associer le dans et le hors hôpital. Ça paraît une apalissade, je vous assure que j'étais très choqué, même si je trouve énormément de choses positives dans tout ce que j'ai visité, par le fait qu'il y avait beaucoup de gens, par l'appel à projet, qui faisaient des choses à l'extérieur, et pas du tout à l'intérieur. Quand j'ai vu, évidemment je ne citerai personne, par exemple les gens qui ont dit « Ah mais nous, sur le tabac, on fait des choses pour essayer de faire la prévention du tabac chez la femme enceinte à l'extérieur. » Mais j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites dans la maternité ?» Rien. Bon, c'est un peu bizarre. Il faut intéresser, à mon avis, les CPAM et les mutuelles, pour répondre à une des questions que Christophe a posées ou que M. Bugot peut se poser. Il y a de l'argent à trouver là, parce que le bénéficiaire de tout ça, ça sera sans doute la sécurité sociale. Si vraiment on réduit un certain nombre de morbidités évitables ou quoi, c'est à la sécurité sociale d'y mettre le... Et il y a eu un projet, je ne sais pas lequel encore, je crois que ça bâillonne. Hein, il y a un projet où la CPAM est associée, et c'est remarquablement intéressant, parce qu'en plus, là, le médecin est associé, c'est sur la prise en charge pour les maladies chroniques d'une activité physique. Et ça, c'est à mon avis, un peu l'avenir. Et il faut des indicateurs. Voilà mes premières recommandations. Alors évidemment, il faut se positionner par rapport au GHT et avec d'autres acteurs. Il faut coordonner tout ça. Il faudrait qu'il puisse y avoir comme conclusion, mais alors le Conseil verra, qu'au niveau, par exemple, de la HAS, il y ait dans les règles de certification des hôpitaux des choses qui touchent la prévention. Hein ? Ça peut être plus qu'une incitation. Et évidemment, vous attendez évidemment à ce que je conclue en disant que à terme, pas tout de suite, à terme, il faudra qu'il y ait des GST. Ça sera pour moi une victoire, avec un V comme vigoureux, évidemment. Voilà, j'ai fini. L'information sera plus complète dans un mois ou deux.